Donc, comme son nom l'indique, le producteur de spectacle est celui qui est en charge de la production du spectacle, c'est-à-dire c'est lui qui finance la création d'un spectacle dans tous ses aspects, les répétitions des artistes avec les musiciens, avec les techniciens, la création d'éclairage, la création de décors s'il y a lieu. Et ensuite, une fois que le spectacle est créé, c'est celui qui assure la promotion du spectacle, le marketing, et qui fait des recherches de partenaires médias, qui travaille avec les autres partenaires de l'artiste, qui ensuite, évidemment, essaie d'amortir son investissement avec des tournées. Et il y a également un autre aspect à ce rôle de producteur, c'est dans le cas d'une tournée internationale d'un artiste étranger, à ce moment-là, on ne crée pas le spectacle, on se contente de produire et d'assurer la promotion d'une date, en principe à Paris et quelquefois dans d'autres villes de province. Le premier conseil, c'est vraiment avoir la foi. Et en lien avec ce que j'ai dit tout à l'heure, le travail avant de collaborer avec un producteur de spectacle, avant de se présenter sur scène, c'est très important que le groupe soit prêt, qu'il ait suffisamment répété et qu'il présente un spectacle qui soit solide. Quand on commence à se présenter au public et à se présenter aux professionnels, c'est vraiment très important d'être prêt. Également, en lien avec ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est important d'essayer d'être le plus autonome possible, de ne pas dépendre de qui que ce soit au départ pour lancer le projet. Parce que c'est une phase d'apprentissage qui est importante, qui est essentielle et qui par la suite permettra de vraiment discuter avec les partenaires potentiels en commençant à avoir une connaissance du métier sur le terrain. Que l'artiste donne toujours le meilleur de lui-même, qu'il joue chaque concert comme si c'était le dernier concert. C'est vraiment essentiel. C'est aussi important qu'il y ait une relation avec le public qui soit, je dirais, qui soit naturelle, qui soit fluide en ce qui me concerne. Je trouve qu'un artiste qui prend à partie son public parce que il ne danse pas assez, parce qu'il ne bouge pas assez, parce qu'il n'applaudit pas assez, c'est une erreur parce que le public, si l'artiste sur scène, il fait preuve de suffisamment d'énergie et s'il est suffisamment convaincant, les choses se passent toutes seules. On n'a pas besoin d'appréhender le public. L'énergie, quand elle est là, elle se communique facilement et la communication avec le public, elle doit être fluide. Et dans le même ordre d'idées, personnellement, j'avoue que je supporte assez. Difficilement les banalités, genre ça va, vous êtes chaud. Bon, ce n'est pas une question de format, je dirais que c'est plutôt une question d'enthousiasme sur un projet artistique, de consensus également dans notre équipe sur ce projet, parce que je ne suis pas seul à faire les choix, c'est une discussion dans l'équipe.
Donc c'est d'abord ce critère, il faut qu'on ait envie de travailler avec un artiste qui soit le plus singulier possible, le plus original possible, pour nous en tout cas. Et ensuite, il faut qu'on considère que cet artiste, il a un potentiel pour toucher un plus grand public. Bon, d'abord, c'est la base, c'est qu'il nous touche à nous. Et s'il nous touche à nous, on considère que sans doute il peut toucher un plus grand public. Et ensuite, ce qui est très important également pour nous, c'est l'environnement professionnel de l'artiste. D'abord sa motivation personnelle, et ensuite son environnement professionnel. C'est important effectivement qu'il ait un bon management, qu'il ait un label, une maison de disques qui soit également enthousiaste, un éditeur. C'est un aspect des choses qui est très important, l'environnement professionnel également de l'artiste. Il est important que l'artiste ait déjà commencé à se faire connaître, notamment sur les réseaux sociaux. C'est vrai que quand on nous propose un artiste, je vais immédiatement voir sur son Facebook, son Twitter, si il a déjà une fanbase, comme on dit, s'il a déjà un début de reconnaissance. C'est important qu'il ait déjà une certaine expérience de la scène, qui soit, si c'est un artiste qui vient de province, qui soit déjà connu localement. C'est important parce que c'est ça qui va nous permettre de capitaliser et de développer ce début de notoriété. On ne peut pas travailler avec un artiste qui en est vraiment à ses tout débuts, parce qu'on n'est pas équipé pour travailler avec les toutes petites salles. Ça n'est pas notre rôle. Donc on a malgré tout besoin de ce début de reconnaissance.